Une frappe sur l'armée israélienne tue 21 soldats réservistes. Tsahal n'avait pas essuyé d'attaque aussi meurtrière depuis le début de la guerre qui l'oppose au Hamas dans la bande de Gaza. Le premier ministre Benjamin Netanyahou a exprimé sa tristesse et promis que Tsahal se battrait jusqu'à la victoire. Selon les militaires israéliens, les réservistes ont été tués par un tir de lance-roquette. Selon l'agence Associated Press, Israël a proposé une trêve de 2 mois en échange de la libération des otages du Hamas. Proposition rejetée par l'organisation terroriste qui exige l'arrêt total des combats et le retrait des soldats de Tsahal.